Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Raider, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Siege Titan Class Omega Supreme. Donc, Omega Supreme est le seul Titan Class de Siege. C'est une classe qui est quand même relativement rare, surtout qu'elle est assez chère, attendez qu'elle est assez grande. En réalité, c'est la gamme, enfin la classe la plus grande qui existe dans Transformers, avec des robots qui sont entre 50 et 60 cm de haut, ce qui est quand même pas mal. Donc ici nous avons Omega Supreme qui était un personnage géant quand même assez connu mais qui n'a pas eu forcément beaucoup de jouets en tout cas pour sa représentation géant. A savoir aussi que le design d'Omega Supreme est un petit peu particulier parce que le jouet original ne vient pas de Takara. En fait comme Whirl, Roadbuster et Shockwave par exemple pour ne citer que. C'était une autre marque de robot qui a fait Omega Supreme, et donc c'est pour ça que le design et la transformation étaient un petit peu particuliers pour Omega. C'était le Omega Géant était le plus gros part-forming de toute l'histoire des Transformers pendant très longtemps, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, avec une dizaine ou quinzaine de pièces différentes. Ce qui fait qu'aussi il est très difficile à trouver par exemple en brocante complet, c'est impossible à trouver, étant donné qu'il y aura toujours une ou deux pièces qui vont manquer. Bref, ici nous parlons du Omega Siege, qui a été présenté, je crois, en 2018, fin 2018. Et donc, il représente le géant à l'échelle avec les autres Siege, ce qui n'est pas le cas des trois autres titans qui ont été faits, donc Fort Max, Metroplex et Triptychon, qui sont donc trop grands. Enfin, trop petits pour être à l'échelle avec les Deluxe et Voyager, enfin, avec un Optimus Voyager Class. Chug, voilà. Donc ici nous avons la boîte qui est gigantesque, vous voyez que du coup il y a le fond où je tourne mes reviews d'habitude qui est caché derrière. C'est énorme, donc ici on a Transformers Siege War for Cybertron Trilogy, Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generations, Takara Tomy en énorme ici, Hasbro 8 ans et plus. D'autre côté nous avons Omega Supreme, le logo Autobot et son grade, donc ça doit être un très grand gradé, ce qui est... enfin. Il est grand, donc ok, il peut être gradé, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'il dirige beaucoup d'hommes. Bref, petite histoire, juste sur ce petit symbole-là, c'est vraiment pas très grave. WFC S29, ici, de l'autre côté. Nous pouvons apercevoir sur le dessin, donc Omega Supreme, très joli. Franchement, je suis pas spécialement fan de ce type de dessin sur d'autres boîtes, mais là, je dois avouer que ça rend vraiment bien. Donc on a Omega Supreme, on a deux Tetrajets ici, on a Jetfire en fond, et si on a la boîte de Jetfire, on se rend compte que c'est la même scène qui est représentée. On voit juste Jetfire à partir de cet angle-là, à peu près, on le voit comme ça. Et du coup, on voit Omega en bas. Sachant que je n'ai pas Jetfire et que je ne le veux pas spécialement, je ne pourrai jamais faire la comparaison. Ici, nous avons un robot que je n'arrive pas à identifier. Ici non plus, mais ici, on a une sorte de petit Brunt en vert et gris. Et ici, on a un Refractor. On a aussi évidemment un décor de ville avec l'étoile la plus proche de Cybertron du coup, qui donne un éclairage franchement très sympathique. Voilà. Sur le côté, c'est là que ça va commencer à être sympathique. On a bon l'image normale qu'on a sur toutes les boîtes de Siege, mais du coup en gigantesque, et on voit Wheeljack un peu mieux que sur toutes les autres boîtes. Du coup, Wheeljack qui n'est toujours pas un Siege. De l'autre côté, on a... Si j'arrive à manipuler, voilà. On a l'arche, donc on pensait qu'on allait avoir l'arche en jouet, mais en fait on ne l'a pas eu. Ici, Titan Class, enfin Titan, donc c'est pour les différentes traductions, je sais pas pourquoi ils enlèvent Class. Et donc oui, avant de regarder derrière, on va peut-être regarder dessus. Désolé, c'est vraiment pas très pratique à manipuler. Du coup, dessus on a... le poster avec tous les Autobots, donc Optimus, Prowl, Chromia, Ironhide d'un côté, avec Red Alert Hound et Sideswipe de l'autre, logo Autobot, Transformers Siege, War for Cybertron.
En dessous, on a rien. Super, si, si, c'est un Transformers officiel. On a des trucs marqués visibles en lumière noire, mais vu comment j'ai fait mes... Comment, si vous avez regardé mes autres reviews, enfin mes précédentes, mes premières reviews Siege, vous voyez que je peux pas accéder à la lumière noire pour cette boîte-là, et de toute façon, j'avais pas spécialement envie de le faire. Et donc, derrière la boîte, on a des photos d'Omega, donc en mode robot, en mode alternatif. On a Countdown ici, le mode, le mode alternatif complet, le tank avec le petit truc qu'on verra tout à l'heure, Countdown dans la fusée, et ici, mode centre de commandement Autobot. Oui, enfin, c'est juste une fusée qui se lance, mais si c'est un centre de commandement Autobot, ok, on verra ce que ça donne avec, par exemple, Optimus aux commandes. On peut donc maintenant passer au robot en lui-même, et on va faire composant par composant, étant donné qu'il est composé, il a donc 4 parties vraiment indépendantes. Et pour la première partie, nous allons parler de Countdown, donc le MicroMaster associé, ainsi que les accessoires. Donc, Countdown, du coup, est un MicroMaster qui ne vient pas avec Omega de base. Enfin, il vient dans le Siege, mais il vient pas avec le G1. En fait, Countdown venait en G1 avec la base MicroMaster qui contenait une fusée. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis, du coup, puisque Omega contient une fusée. Ça permet de faire un petit hommage au G1, d'avoir une nouvelle version de Countdown, et juste, voilà, avoir un petit MicroMaster. Nous avons donc ici un petit véhicule spatial, enfin d'exploration spatiale en quelque sorte. Donc c'est juste sur 4 petites roues, il n'y a pas de peinture visible dans ce mode là. Voilà, donc on a quelques petits détails ici, une sorte de citerne, truc comme ça. J'en parlerai un petit peu plus en mode robot. On a une parabole ici qui peut descendre jusque là et monter, enfin même se ramener jusqu'en arrière comme ça, c'est sur des petits crans. Ça, on a des sortes de petites antennes, enfin voilà, c'est bien parce qu'il est en plus asymétrique, c'est original. Et bon, on voit la tête, mais en même temps on voit vraiment tout le robot en dessous. Ça reste un MicroMaster, évidemment, la transformation est simple. Pour la comparaison avec un MicroMaster G1, enfin c'est les seuls que j'ai pas pris Ravage et Laserbeak avant de revenir pour tourner review. Nous avons donc ici Stormcloud qui a été refait en Siege d'ailleurs. Voilà, et donc vous pouvez voir que c'est la même taille qu'un MicroMaster G1. Voilà, ça reste du coup assez petit. Pour la transformation, on va juste prendre les jambes comme ça, et les tirer vers le haut. Comme ça, on a cette pièce-là qui va venir se mettre, en fait, ici. Voilà, donc pareil là, comme ça. On peut ramener la parabole entièrement dans le dos. Et on vient tout simplement descendre les bras. On a des petits. Des petites encoches. Enfin, des petits pegs carrés ici qui vont se mettre dans les bras. Comme ceci. Voilà. Donc, pareil pour l'autre. Et nous avons Countdown en mode robot. Et je l'ai juste mal mis. Normalement, il tient assez bien debout. Voilà. Et je trouve qu'il est très sympathique, très mignon. Il a donc de la peinture au niveau du visage. De la peinture argentée avec les yeux bleus. Une tête que je trouve assez sympathique. Bon, un peg ici au milieu qui ne sert à rien étant donné qu'il n'a pas de mode arme. Mais si on veut le mettre par exemple plus tard sur le mode alternatif d'Omega, on va voir comment faire. Donc voilà, ça reste les mêmes détails qu'en mode alternatif. Mais justement, pour parler de ça, ça m'a beaucoup fait penser au moment où j'ai vu la review d'Amgo. Ça m'a beaucoup fait penser à la jambe de Devastator. Celle qui est composée de... Enfin, celle qui est faite à partir de Mixmaster. Je sais pas, j'ai trouvé que ça y ressemblait beaucoup avec cette pièce-là notamment. C'était assez sympathique. Niveau articulation, on a ball joint au niveau des épaules, donc il peut tourner entièrement et ramener les bras à l'extérieur à peu près comme ceci, rien d'autre. Et ball joint au niveau des jambes, donc vers l'avant, vers l'arrière, on peut ramener jusque là. Et on peut plier évidemment le genou à plus de 90 degrés. Ce qui est assez sympathique. La tête ne tourne pas, c'est sur la même pièce que le corps. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. C'est mignon. Voilà. Du coup, pour la comparaison avec un MicroMaster G1 en mode robot, je transforme Stormcloud très vite fait. Et vous pouvez voir que c'est la même taille. C'est juste... Enfin, un tout petit peu plus massif quand même. C'est juste qu'il est plus articulé, du coup. Voilà.
Et donc, pour parler des accessoires, il vient avec des effets de tir. Je ne vous en avais jamais présenté avant dans les reviews Siege, tout simplement parce que je n'en avais pas. Et maintenant, je vais pouvoir donc vous les présenter. Il vient du coup avec trois de ces pièces-là. Donc, on en a deux ici et une au bout, comme ceci. Et donc, cette énorme pièce-là, qui est en fait composée de plein de pièces différentes. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, sur chacune des pièces, c'est du plastique transparent, donc souple. Avec un, comment, du noir au niveau de l'explosion en bas, en quelque sorte. Et un petit fondu qui remonte sur la pièce, ce que je trouve quand même très sympathique. Et donc on a ici cette pièce-là, ce qui nous en fait 3, ce qui est bien sympa. Plus celle-ci. Celle-ci. Celle-ci ici. Et l'énorme pièce comme ça. Voilà. Donc c'est très pratique. Alors sur Countdown, on ne peut pas spécialement les utiliser, mais bon, au moins je vous les ai présentés. On va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie d'Omega Supreme. Et cette deuxième partie est le tank. Donc le tank compose le torse et la tête d'Omega, comme dans le jeu géant. Et donc ici nous avons un tank qui est gigantesque. Alors on va commencer par les comparaisons. Le voici à côté de Sideswipe, qui devrait être normalement ma précédente review. Voilà, Sideswipe qui est un Deluxe, enfin un petit Deluxe, mais Deluxe quand même. Et vous pouvez voir que c'est à peu près leader class. Petit leader class, mais ou alors très très gros voyageur, vraiment gigantesque. Donc voilà, c'est vraiment très grand. Voici d'ailleurs à côté de Countdown, ce qu'il donne. Vous pouvez voir que c'est quand même assez grand. Et d'ailleurs, j'ai pas comparé Countdown avec Sideswipe, mais vous pouvez voir quand même que c'est petit. Normal, c'est un Micromaster. Donc, ce tank est principalement cette couleur-là. Honnêtement, je ne saurais pas spécialement à décrire. J'ai l'impression que c'est un mélange entre un gris et un marron, mais je ne sais pas s'il y a une couleur officielle pour cette teinte-là. Donc, nous avons ici la tourelle principale, donc avec le canon qui est juste une pièce rouge qui n'est pas peinte. De la peinture jaune ici, de chaque côté de la tourelle. On a un peu de peinture jaune dessus, de la, comment, du plastique transparent ici, mais ça sera plus pour le mode robot. Étant donné que cette pièce-là est la tête. On a aussi un deuxième canon ici, mais pareil, c'est pour le mode robot. Voilà. Donc, ici, sur le dessus, on a quand même un plateau qui est assez grand. On a des pièces ici qui... Ça fait un petit peu creux à cet endroit-là. Mais encore, je trouve que ça passe. On a du rouge qui est peint entièrement ici, avec du plastique transparent. Étant donné que, du coup, toute cette pièce-là, avec le gris qui a une couleur différente aussi, est peinte. Voilà, donc, sauf pour cette partie-là, avec l'énorme logo Autobot. On a aussi de la peinture sur les côtés ici avec de l'argenté qui donne juste très bien, du noir, enfin gris très foncé, un peu brillant, qui donne bien aussi sur les autres canons, et du noir au niveau des chenilles. Chenilles avec beaucoup de détails, c'est quelque chose qui m'a assez impressionné et que je trouve très joli. Voilà, il y a beaucoup aussi de détails vraiment partout, c'est impressionnant. Donc au niveau du dessous, bah, on voit absolument rien, en même temps il n'y a rien à cacher. On a juste deux sortes de roues comme ça qui font beaucoup trop de bruit et qui nous permettent de rouler. Je pense qu'il va falloir que j'évite de parler quand je fais bouger les choses sur cet Omega là parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Au niveau justement des autres mouvements qu'il peut faire, on a la tourelle, enfin le canon ici qui peut monter à peu près jusque là, qui peut être sympathique. Et donc descendre jusqu'ici. Malheureusement, ça ne tourne pas, étant donné qu'on a du coup la tête et la tourelle qui sont sur deux axes différents. On en a un ici et un là. Donc forcément, ça ne peut pas tourner. Et on a du coup ces canons-là qui peuvent monter ainsi. Voilà. Pour l'intégration des effets de tir, on peut évidemment mettre au bout de chacun des canons comme ça. Et après, du coup, on a des... Ce qui peut donner pas mal, même avec une plus grosse explosion. Et donc on a des pegs. Enfin, un peg ici, on doit en avoir là, on en a ici, on en a là, on peut en mettre ici aussi, ici, ici, enfin bref, on en a vraiment beaucoup pour faire plein de petites explosions comme s'il se prenait beaucoup de tirs simultanés, ce qui est toujours une bonne chose. Voilà. A noter que le jaune ici aurait peut-être bénéficié d'une deuxième couche un peu plus propre, ça fait un petit peu bizarre, je sais pas comment ça donne à la caméra, mais au niveau des bordures, j'ai l'impression que c'est pas très très propre.
Sinon, le reste est, je trouve, très sympathique. On peut aussi mettre Countdown donc dans le mode alternatif, et vous l'avez vu sur la boîte, il suffit pour ça de lever ses canons et de prendre la grosse pièce ici sur les deux côtés là et de tirer. C'est très solide, mais au moins ça, on est sûr que ça tiendra. Il faut aussi lever ce canon là du coup pour pouvoir ouvrir, et on a ainsi une rampe en argenté qui se dévoile comme ça, avec donc encore beaucoup de peinture à l'intérieur. Et donc, comme ça, on peut prendre Countdown et le faire rouler ici. Ça peut être marrant, ou n'importe quel autre MicroMaster. Mais surtout, au niveau des... Comment ? Ici, on a 4 petits pegs pour bloquer au niveau des roues. Ça tient à peu près, sachant que l'un des bras de Countdown ne se plug pas très bien. Mon Countdown reste relativement lâche à l'intérieur, mais au moins, vous pouvez le mettre là-dedans et le laisser comme ça. Sachant que vous ne pouvez pas le laisser pour la transformation. Donc autant sortir et jouer avec, le poser à côté si vous en avez aucune, enfin si vous en avez pas l'utilité. Mais donc vous pouvez pas juste le cacher ici et faire comme s'il n'existait pas pendant tout le reste de la transformation. Mais ça reste sympathique, je trouve, d'avoir inclus une base intérieure. Surtout que ceci est une étape de transformation. Donc, on va refermer le tout. Comme ça. Et on va pouvoir passer encore à la troisième partie. Et cette troisième partie est beaucoup plus difficile à présenter étant donné que c'est la fusée. Et qu'elle est très grande. Donc oui, nous avons ainsi la fusée. Comme ceci, qui est vraiment gigantesque. Donc je vais essayer de prendre un petit peu de recul pour la voir un peu mieux. Et ouais, pour le moment, c'est ce que j'arrive à faire de mieux. Donc, nous avons ici la fusée qui est absolument gigantesque. Donc, elle compose les bras et une petite partie du dos d'Omega Suprême. Et franchement, c'est peut-être une des meilleures parties de ce mode alternatif. Le tank est vraiment bien, mais la fusée, quand même, est quelque chose de très cool aussi. Alors, pour une petite idée de la taille, si je prends la hauteur de cette fusée, nous arrivons à 61 cm de haut dans cette position-là. Je vous parlerai des différentes positions plus tard. Donc, nous avons, niveau des détails, déjà les trois pieds comme ça, qui sont en plastique transparent, qui formeront les doigts d'Omega Suprême avec de la peinture ici, pour que ça donne un effet sympathique, avec un petit dégradé vers le transparent. On a des effets noircis ici, comme ça aussi. De dessous, donc on a le réacteur avec plein de boosters et le réacteur central dans lequel on peut mettre des effets de tir. On a des petits, des sortes de tuyaux. Ici, là, on a des détails partout. Bon, ici, on a une pièce noire qui sort, c'est pour la transformation, mais malheureusement, c'est obligé d'être... Enfin, c'est ici, c'est là. On a 4 applications de peinture rouge ici, mais malheureusement, on n'en a pas de l'autre côté. Ça aurait été un petit peu mieux, je pense, d'en avoir de l'autre côté aussi, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, une fois arrivé en haut, on a pareil des applications de peinture noire des deux côtés. On a encore d'autres tubes comme ça, des détails ici. Et là, nous avons un détail particulier, j'espère que j'étais dans le cadre. Donc, on a des vitres et un hublot comme ça. On en parlera juste après. Et donc au bout, on a la pointe de la fusée avec donc une partie en argenté, ce que je trouve pas mal. Et on peut aussi mettre des effets de tir ici. Et évidemment, dans tous les ports 5 mm, notamment ceux avec des effets noircis autour, c'est pour donner l'effet justement de se faire tirer dessus, tout simplement. Donc, justement, on a plusieurs possibilités avec cette fusée. Donc déjà, on a des articulations au niveau de la fusée. On a les pièces, la pièce ici qui va tourner, comme ça. Alors, chose que je trouve sympathique, c'est que justement, le réacteur ici ne tourne pas. Mais donc, on a plusieurs crans. Et on a aussi plusieurs crans sur chacun des pieds. Comme ça. Et donc, ici, on a une deuxième articulation. Et donc, c'est pour ça qu'on peut la rendre encore plus grande si on écarte les pieds encore plus, mais ça gêne un peu la stabilité. Même si ça reste très stable, surtout que c'est très lourd. Enfin, assez lourd et ça sera pire après. On peut donc la rendre encore plus grande. Alors, vous voyez ici que le panneau s'est un petit peu détaché. C'est vrai que sur mon exemplaire,
la fusée ne s'éclipse pas forcément toujours très bien. Faut que j'aie un peu de chance pour que ça arrive à tenir. Et donc, l'autre chose qu'on peut faire avec, c'est mettre un MicroMaster dans la partie cockpit, en quelque sorte. Donc on a ici un panneau, comme ça, qu'on vient ouvrir, et le deuxième panneau avec le hublot, ainsi. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous arriverez à voir comme il faut, mais on a des sortes de panneaux de contrôle, des petits boutons, des trucs comme ça. C'est franchement très sympa. Et donc, on peut venir prendre Countdown qu'il faut que je transforme parce que je ne l'ai pas fait juste avant. La transformation sera très rapide, ça reste un MicroMaster. Et donc, on peut venir le prendre et le mettre à l'intérieur, comme ceci, pour qu'il pilote la fusée d'Omega, ce que je trouve quand même très sympathique. Après, il y a toujours la petite question de comment Omega fait pour se balader de planète en planète s'il a la fusée qui part et que la base, du coup, reste sur la première planète. Mais bon, pour jouer, ça reste sympathique. Ça fait quand même une fusée qui est énorme, donc c'est quasiment trop grand. Mais bon, ça reste à l'échelle, donc c'est pas mal. On va donc maintenant pouvoir passer à la dernière partie du mode alternatif. Et cette dernière partie, c'est la base, justement. Et elle est très grande. Comme vous pouvez voir, justement, ça prend à peu près toute la place sur la table où je fais les reviews d'habitude, là où je peux tranquillement mettre la figurine dont je fais la review d'un côté et toutes les comparaisons de l'autre côté cachées hors champ. Ici, ben, ça prend tout et du coup, voilà, c'est vrai que j'aurais peut-être pu d'ailleurs prendre un cadre un peu plus large, mais de toute façon, on verra les détails avec la caméra qui sera portée. Ça ne sera pas le plus agréable pour visionner, ni pour tourner, mais bon, c'est comme ça que vous arriverez du coup à voir les détails. Donc, on a comme ça le corps, ce qui va former le reste du corps d'Omega, ainsi que les jambes et du coup les ailes avec les deux pièces de route qui sont autour. Donc, on a comme ça beaucoup de détails et quelques petits trucs à faire aussi pour jouer, et donc on va regarder tous ces détails là de plus près. Donc on va commencer avec la jambe ici, enfin ce qui formera la jambe, vous voyez évidemment le pied et ce qui formera le tibia. Donc on a une application de peinture ici pour faire du comme sur la fusée en fait, comme s'il y avait une explosion, ainsi que quatre applications d'argenté dans les trous ici. On a pas mal de détails, mais c'est juste une grosse pièce jaune en fait. On a donc, dans les petits détails en plus, on a ceci, qui est en fait une pièce, excusez-moi pour le cadrage, une pièce pour qu'on peut essayer de sortir, alors c'est très compliqué à faire, mais donc c'est une pièce qu'on peut sortir pour accrocher les rampes comme ça, donc je montrerai peut-être ça plus tard. Ici donc, on a aussi de l'argenté avec de la peinture noire autour, et je trouve que ça donne bien. Du coup, on a aussi une petite montée, une petite descente au niveau de la rampe. Ici, donc, on a une petite cachette pour MicroMaster. Il suffit d'ouvrir comme ça. Et donc, à l'intérieur, on a une sorte de petite salle. Alors, c'est juste l'intérieur de la jambe, donc il n'y a pas forcément grand-chose. Je trouve que c'est sympa. Après, ça reste peut-être un peu petit pour un MicroMaster, comme vous pouvez voir. Alors évidemment, on est vraiment sur le bord de la table, donc c'est difficile de tourner, mais bon. Ça reste petit pour un MicroMaster, mais ça peut quand même faire des trucs sympathiques, je pense. Voilà. Donc, on va maintenant pouvoir passer à la pièce qui est juste derrière, et il s'agit de la cuisse. J'essaie de ramener la lumière par ici. Donc, au niveau de la cuisse, on a une sorte de petit panneau ici, pour justement, comme si se balader là. On a de l'argenté à ce niveau là et on a une rampe qu'on verra aussi de l'autre côté. Voilà. Ensuite, au niveau de la route, pour continuer sur la route, j'essaie d'ajuster la lumière en même temps. Donc on a comme ça deux panneaux qui sont quasiment identiques, au moins sur le dessus. Donc voilà, juste comme ça, c'est du plastique relativement souple, parce qu'en même temps c'est vraiment deux grandes pièces comme ça qui ne sont pas peintes. On a quelques emplacements pour des effets de tir, donc on en a un par exemple ici et un autre là. On a une pièce grise qui se voit un peu ici, c'est peut-être pas forcément plus joli, mais bon. On a ici des emplacements pour des bases Titan's Return, donc si vous en avez et que vous avez envie de les joindre à Omega Supreme, vous pouvez. Sachant qu'ici, du coup, ça sera pour les bases Earthrise, enfin tout ce qui est bouclier aussi Earthrise, il y aura tout un truc avec.
Peut-être que je vous en parlerai si j'ai des Earthrise relativement vite. Voilà. Et donc maintenant, on peut passer à la grosse partie de la base, qui est donc cette pièce-là. Donc on a ici une pièce... Ah oui, je voulais aussi parler de ça. Donc on a des détails rouges ici. Et on a des rampes comme ça qui peuvent... Enfin, j'aurais préféré que ça soit d'une couleur unie. Parce que là, en jaune, c'est un petit peu moche. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, ça fait des petites rampes. Et justement, ça permet, si on ouvre un peu plus les jambes, d'avoir encore des rampes qui peuvent venir se greffer dessus. Voilà. Donc, ici, on a encore une pièce qui a été peinte. Alors, elle est peut-être transparente, mais vu qu'il n'y a aucune partie qui n'est pas peinte, je ne saurais dire. Donc, on a un petit peu de rouge, mais ce sera plus pour notre robot. On a du... gris, enfin comme sur le tank, on a de l'argenté à cet endroit-là. Et oh, excusez-moi pour le cadrage, c'est vraiment pourri. Ensuite, on a un espace ici qui est assez grand, avec du coup de l'argenté à ce niveau-là, ce que je trouve pas mal. Et quelques détails à l'intérieur, ça fait très usine ou justement poste de commande, ça tombe bien. Ensuite, ici, on a des missiles, qui est bien, mais justement quand on a la fusée, et on verra ça tout à l'heure, c'est peut-être un peu moins conseillé. Et d'autres missiles un peu différents de l'autre côté. Dessus, on a encore quelques détails. Du coup, comme ça, voilà, vous pouvez voir les détails ici qui sont sympathiques, même si on dirait que c'est des détails qui sont à l'intérieur, qui sont en dessous du plastique, vu qu'on a des pièces qui sont assez ouvertes, et c'est un petit peu dommage. Voilà, donc j'étais en train de dire que c'était un peu dommage au moment où la caméra a coupé. On a aussi ici des petits détails peints, donc des sortes de petits canons. Du coup, maintenant, à l'arrière, on a... une pièce ici qui permettra la fixation en mode robot. Deux applications de peinture rouge ici. On a de l'argenté ici. Beaucoup de détails encore. Donc du coup ici des sortes de tuyaux. On a des détails là et là. Quelques petits détails par ici. Mais vraiment pas grand chose. Mais bon après ça reste juste l'arrière d'une base. Voilà. Donc au niveau des effets de tir. On peut en placer... dessus, donc on a deux picots ici, deux ici, on peut les placer sur les sortes de petits canons. On peut ensuite les placer ici, donc j'ai déjà dit, mais sur les rampes, aussi sur l'extérieur, pourquoi pas. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, on a aussi donc ici. Voilà, mais du coup on peut pas mettre sur les missiles. Un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus très très important. On peut donc maintenant, avant... l'intégration du coup de countdown, donc on peut le mettre par exemple sur une petite plateforme comme ça, mais on peut du coup le mettre à l'intérieur de la base comme ceci. Et si on prend Optimus, et ben on se rend compte que ça fait quand même, enfin, petit dans le sens où pour une base ça reste pas spécialement grand. Voilà, peut-être un peu gênant à la limite pour un deluxe, petit deluxe, même Sideswipe ça reste un peu petit, mais bon. Voilà, donc Optimus peut pas y aller, à la limite c'est une base de commande Micromaster, et ça j'aime beaucoup, par contre. Parce que du coup, si c'est une base de commande Autobot, c'est un peu limité en place. Voilà. En ce qui concerne d'ailleurs la largeur des rails, par rapport à Sideswipe, vous voyez que c'est parfait pour un Deluxe, pour qu'il puisse rouler dessus. Et du coup, oui, avec le pan incliné, ça permet de s'amuser, faire comme s'il roulait un petit peu, c'est amusant, c'est toujours marrant à faire. On va donc pouvoir mettre maintenant toutes les parties d'Omega Suprême les unes à côté des autres pour voir ce que ça donne. Et voici donc ce que donne le tout une fois mis ensemble. Alors vous remarquez déjà que la fusée est beaucoup plus grande que la base, ce qui est pas mal, c'est toujours sympathique. Et on peut remarquer aussi que le tank est trop large pour les voies. C'est un petit peu dommage quand même parce que du coup ça fait que pour se déplacer... c'est pas forcément très réaliste, étant donné qu'aucune des chenilles ne touche la route. C'est un peu bête. Mais sinon, ça reste sympathique, à la limite, on peut le poser à côté. À savoir que sur le jouet G1, le tank était motorisé. On avait du coup le tank qui pouvait tourner autour de la base, sur les rails, avec le canon qui pivotait, enfin qui tournait au fur et à mesure que le tank avançait, ce qui était toujours sympathique. Et ça permettait, une fois qu'on le mettait en robot, de faire marcher le robot. Voilà, enfin il marchait, enfin du coup il avançait tout seul. Donc voilà, et pareil avec Optimus, ce que ça donne. Et je trouve que ça donne pas trop mal. Une fois que j'aurai tous mes sièges, du coup je pourrais m'amuser à faire
va faire une sorte de grande bataille avec du coup Omega au milieu. Et franchement, je pense que ça pourra donner vraiment bien. On va donc maintenant pouvoir passer à la transformation et ça promet de pas être très facile. Du coup, countdown, c'est déjà fait. Et on va commencer avec le tank. Donc la transformation du tank est relativement simple, on va donc former en fait le torse et la tête. On va donc commencer par relever ces canons-là, et on peut aussi relever ça tout simplement pour venir ouvrir. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais des marques de stress ici, ça m'inquiète un peu. Donc, on ouvre comme ça, ainsi. Je vais sans doute me taire souvent dans les transformations, surtout pour du coup la base et la fusée, parce que ça risque de faire beaucoup de bruit au niveau des ratchets, parce qu'il y a beaucoup de ratchets dedans, normal, pour supporter le poids avec la taille qu'il fait, mais donc ça risque de faire beaucoup de bruit, donc il y a des moments où faudra que je me taise. Donc, on va ensuite prendre tout l'arrière, enfin toute la partie haute, et la soulever. On a donc deux pegs comme ça qui viennent à l'intérieur d'un trou que je vous montrerai juste après, parce qu'on doit prendre la partie arrière et la ramener comme ça. Donc sur cet axe-là, puis sur ce deuxième axe-là, ainsi, avec donc cette pièce blanche ici qui va se mettre à l'intérieur comme ceci. Normalement. Voilà. Du coup, ça allait là-dedans, cette pièce-là. Cette pièce va servir tout simplement pour clipser le tank à l'intérieur de la base, tout simplement. Ensuite, donc vous voyez, on a toute cette pièce-là qui s'en va, c'est sur trois axes à la suite. Donc on pose comme ceci. Ensuite, on vient prendre les canons ici et les plier. On a un cran qui permet de les maintenir en place. On les plie entièrement et on peut ramener du coup tout l'ensemble, enfin les canons comme ceci, pour qu'ils aillent à l'intérieur de cette pièce-là. Et donc on a une encoche ici qui va venir s'accrocher ici, donc comme ceci, et pareil d'autre côté ainsi. Et voilà, là la tête, l'ensemble de la tête bouge encore un petit peu, mais ça sera calé juste après. Et enfin, on vient prendre le canon, on retourne entièrement comme ça, on peut ramener ainsi, et on vient rentrer le canon à l'intérieur sur un axe qui se trouve ici, donc comme ça. Ce qui va révéler une énorme pièce transparente. Et ensuite, on peut juste rabattre un petit peu le canon, c'est ce que je préfère faire. Et on vient remettre ça comme ça. Et vous pouvez voir d'ailleurs que si on avait eu countdown ici, on n'aurait pas pu mettre le canon. Et donc, on n'aurait pas pu transformer Omega. Donc, on referme ça. On clipse. Et là, nous avons déjà le torse d'Omega Suprême. Et pour une petite comparaison de taille, c'est quand même un très gros Voyager. On peut maintenant passer à la fusée. Ce qui peut rendre la transformation de la fusée compliquée, surtout quand on la filme, du coup, c'est la taille. C'est pas forcément évident, mais après, le reste est très simple. Donc, on va prendre du côté qui n'a pas de peinture, on a des panneaux, comme ça ici, que l'on va pouvoir détacher et ouvrir. C'est les panneaux, du coup, qui sont un peu, enfin, qui peuvent s'ouvrir facilement sur mon exemplaire. Comme ça, et comme ça, on a donc deux panneaux en haut et deux panneaux en bas. Voilà. Ensuite, on a donc ces panneaux-là, comme ça, qui sont tout simplement posés dessus. Donc on va pouvoir les séparer ainsi et les ramener comme ça. Si on regarde dedans, on a plusieurs axes avec lesquels jouer à l'intérieur. Voilà. Je vais donc pouvoir rapprocher la caméra, normalement. Donc on peut ramener la fusée comme ça sera quand même un peu plus pratique et on va pouvoir baisser ces pièces-là pour le moment. Et je vais me rapprocher. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de cette main-là en premier. Donc, on ramène les doigts vers le bas. Comme ça, on a donc formé une main et on vient étirer ainsi. Voilà, et on a déjà le coude. De ce côté-là, évidemment, c'est pas pareil. On vient prendre le nez de la fusée et le ramener comme ça, vers l'intérieur. Et on vient prendre cette pièce-là, ici, toute la pièce ronde là, et la tirer ainsi, du coup, pour révéler aussi le coude. Comme ça. Ensuite, on a encore un axe au niveau des pièces noires ici, et on vient le ramener entièrement en arrière, et on l'étire jusque-là. Et là, donc, on peut prendre ce panneau-là, le ramener ainsi
puis à l'intérieur, comme ceci. On ramène vers le bas. Pareil ici, comme ça. Et comme ça, on ramène vers le bas et on a les deux bras qui sont faits. Et pareil pour une petite comparaison de taille, voici à côté d'Optimus ce que ça donne et vous pouvez voir que ça commence à être un peu grand. On va maintenant pouvoir passer à la transformation de la base et ça va être un tout petit peu plus compliqué à manipuler surtout. Donc pour la base, on va commencer par enlever les pistes ici. C'est un peu compliqué parce que du coup ça tient très solidement, au moins sur mon exemplaire. Donc il faut juste prendre et essayer de soulever un petit peu et ça s'en va assez simplement si on fait comme ça. J'ai un peu peur pour l'éclipse au fil du temps, mais non, pour le moment ça tient vraiment très bien. Après ça fait même pas une semaine que je l'ai. Donc pareil de l'autre côté. Et on le retourne. Oui, c'est vrai que je vous ai pas montré du coup l'autre côté. Ce côté-là, mais après c'est exactement le même que l'autre. C'est totalement symétrique. Donc on enlève. Et on enlève. On va commencer par transformer ces pièces-là. Donc on reprend ici. Et ça peut se... Enfin, chaque pied peut se plier seulement dans un sens. Donc comme ça et comme ça, du coup. Et ensuite, enfin, on replie pas le pied du milieu, ça va se faire tout seul quand on va replier ainsi. Et donc là, ça vient se clipser en plusieurs endroits à l'intérieur. Les unes, du coup, enfin, un côté sur l'autre pour faire une aile qui est donc qui a donc les deux côtés qui sont pleins, ce qui est quelque chose de très bien. En plus, ça fait que ça, c'est une pièce qui est très lourde. On fait exactement la même chose pour l'autre côté. Donc on cherche le côté par lequel ça peut plier, ainsi et ainsi. Et ensuite on vient replier les deux, comme ça, et du coup on a l'autre aile. Cet énorme truc ici va permettre de s'insérer à l'intérieur de cette pièce-là, mais ça sera pour un petit peu plus tard. Donc on pose comme ça, et c'est là que ça va devenir très bruyant à cause tout simplement des ratchets. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre déjà le tout et ramener comme ça, ça sera plus simple. D'ailleurs j'avais oublié, mais on a une pièce normalement ici qui est toujours sortie pour le mode base. Bref, donc on prend les rampes et on les ramène comme ça et comme ça. Ça clipse un petit peu, c'est pas comme si ça tenait beaucoup, mais après ça bouge pas, donc c'est bon. Ça c'est fait. On va pouvoir maintenant déjà rentrer du coup cette pièce-là. On peut ramener cette pièce-là ici en attendant. Et on va prendre les jambes et sur cet axe-là les ramener vers le bas. C'est très dur à faire, les ratchets sont quand même assez solides. Le micro a dû sans doute saturer. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on peut le lever. Donc, on a l'avant de la base qui est comme ça. Et il faut remettre les genoux droits. Donc, je vais remonter un peu la caméra pour qu'on puisse voir quand même. Et là... Du coup, déplier les genoux. Les ratchets sont un peu moins, font un peu moins de bruit, mais sont quand même très solides. Voilà, les jambes sont faites. La dernière étape maintenant de ce corps, de cette pièce-là, c'est de retourner le bassin complètement. Donc, on vient évidemment remonter cette pièce-là, sinon ça ne passera jamais, et... Voilà, plus qu'à ouvrir cette pièce-là et on peut rajouter les autres pièces. On peut donc commencer par mettre les bras. Donc pour mettre la fusée dans le dos, on va regarder sur le côté ce que ça donne, comme ça. Donc on a un trou ici. On va mettre ça comme ça et on va simplement le glisser. Voilà, ça vient se clipser dedans, c'est très solide. Ensuite, on peut prendre les ailes. Donc, par exemple, celle-ci, avec le picot de ce côté-là. On vient ouvrir cette pièce-là. Et si on arrive à voir en dessous, voilà. Ici, on a donc le rail pour glisser la pièce. Donc, on glisse la pièce grise à l'intérieur.
Et on peut, comme ça, ramener entièrement jusqu'au bout. Comme ça. Une fois que c'est mis dedans, ça bougera pas, c'est solide pareil. Donc, on fait pareil avec l'autre pièce. Comme ceci. Je viens de me pincer le doigt et c'est pas très agréable. Bon, ça se clipse pas, je vais essayer d'arranger ça. Bon, donc je viens d'essayer de vérifier par rapport à cette aile qu'il se clipse pas et apparemment, eh ben, ça se clipse plus du tout. Enfin, c'est posé là, ça bougera pas étant donné qu'il y a le rail, mais ça se clipse très mal. Donc, on vient ensuite prendre ces deux pièces là qui se baladent un petit peu. On a deux ouvertures ici, et on va venir mettre les picots qui sont ici à l'intérieur. Donc il suffit comme ça de remonter le tout, et venir positionner ça comme ceci, et comme ceci. Et là, le backpack est prêt. Et enfin, on va pouvoir passer au torse. Donc, pour le torse, on vient juste prendre ce qu'on avait fait tout à l'heure, et on a cette pièce-là qui va venir se clipser là-dedans. Et sans doute d'autres clips ailleurs, mais je les ai pas spécialement cherchés. Donc bon, de toute façon, ça tient assez bien pour... Enfin, rien qu'avec ça, ça tient assez bien, donc c'est pas très grave. On vient juste insérer là-dedans. Comme ceci. Et voilà. Plus qu'à fermer ce panneau-là devant. On vient fermer ces pièces-là. Elles vont venir se clipser avec cet ergot-là dans le tab qui est ici. Comme ceci. Et nous avons Omega Suprême en mode robot. Je vais essayer de faire une vue d'ensemble. Et voici donc ce que donne Omega Suprême, du moins en partie, vu que vous ne voyez pas les pieds. Donc voilà avec les pieds ce qu'il donne. Et il est très très grand. Alors évidemment, je vais faire des comparaisons, mais déjà vous voyez les étagères de derrière avec Grimlock et Soundwave Voyager Fall of Cybertron, le Starscream Deluxe, un repaint de Quick Mix, ça doit être Evilode, je crois, Universe, on a le Abominus Transformers Prime Beast Hunters, un Grimlock Deluxe de RID 2015, enfin voilà, vous voyez qu'il est quand même énorme. En fait, même avec les ailes, vous voyez pour la première fois dans mes reviews, l'étagère du dessus de ma collection. Et il est vraiment très beau. Il est plein de détails, donc en général, c'est que des détails qu'on a vus dans le mode alternatif. Sauf pour cette pièce-là, du coup, mais il y a beaucoup de détails. Il y a deux petits trucs ici. Il y a trois ports pour des effets de tir. On a une sorte de rond ici, quelques détails. Mais sinon, c'est vraiment que des trucs qu'on a vus en mode alternatif, ce qui est pas trop mal, enfin, même très bien. Il est vraiment composé de son mode alternatif. Enfin, c'est plutôt son robot qui forme son mode alternatif, étant donné que du coup, c'est pas un véhicule terrestre. Mais bon, bref. Il est magnifique. Et comme je disais en début de review, si je n'ai pas oublié de le dire, il est à l'échelle avec les Generations. Et enfin, l'échelle principale de Generations, c'est-à-dire un Optimus Deluxe. Optimus Voyager, excusez-moi. Et donc, voici ce qu'il donne justement avec le Optimus Siege. Comme ça. Et oui, il est très grand. Alors, j'ai calculé l'échelle par rapport à Sideswipe, enfin par rapport au mode alternatif de Sideswipe. Et s'il est à l'échelle, il devrait faire à peu près 18,50 m de haut. Ce qui est peut-être un peu petit, je trouve, puisque il serait donc au 1/33, ce qui fait qu'il est à l'échelle avec les humains de Human Lions. Voici donc ce que donnerait un humain à côté de sa tête. Il est là, un humain d'à peu près 1m80. Ça fait petit pour un Transformers qui a une fusée, un tank et une base dedans. Mais bon, c'est déjà bien, je trouve. En fait, il arrive surtout à la limite haute de ce qu'on peut faire en termes de Transformers encore maniables. Je me vois mal avoir un Transformers encore plus grand, enfin deux fois plus grand, c'est même pas envisageable. Coucou Fanstoys avec leur Fort Max. Mais bon. C'est. Franchement, je le trouve très très bien. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié une étape très importante pendant la transformation. Il faut aller à l'arrière de la tête et sortir le petit canon qui est derrière.
et là, le look est complet. Et justement, je parlais de style un petit peu spécial du jouet G1. Et ben, c'est un des seuls Transformers qui n'a qu'une seule main, qui a une pince à l'autre main, enfin à la main qui n'est pas un canon, et qui a un aspect de sorte d'astronaute, du coup, avec ses tuyaux ici, mais on va voir les détails un peu plus tard, et bien mieux, parce que du coup, la tête aussi est un élément nouveau. Mais donc oui, c'est une excellente représentation du personnage, et je trouve qu'il est vraiment très bien. Je sais pas ce que ça fait pour les gens qui ont déjà un Titan, mais étant mon premier Titan et très facilement le plus gros Transformers de ma collection, franchement, je trouve très très réussi. D'ailleurs, petite considération au niveau du poids, j'ai pesé ce monstre et il pèse 2,5 kg, ce qui est quand même énorme. Voilà, c'est énorme, ce qui fait que pour le tenir à bout de bras dans une review, c'est pas très facile. Donc, au niveau des détails, on va pouvoir voir ça de plus près. Alors, si on monte la caméra pour regarder un petit peu mieux, nous avons donc une tête comme ça derrière son masque de plongée en quelque sorte, et donc masque d'astronaute, avec ici des tuyaux qui sont en caoutchouc, avec de la jolie peinture, on a de la peinture rouge, du coup la tête qui n'est pas peinte. Est-ce que c'est grave? Ça ne me dérange pas du tout, on a même du light piping, mais je ne sais pas du tout comment vous montrer ça vu la taille qu'il fait, si voilà. On a un magnifique light piping orange, c'est très bien, et du coup c'est fait grâce à une pièce qui est juste là sur le dessus de la tête. Donc s'il est éclairé par au-dessus, il n'y a pas grand chose qui peut éclairer par au-dessus tellement il est grand, mais s'il est éclairé par au-dessus, au moins il a du light piping. La tête tourne sur 360 degrés sans aucun problème, mais malheureusement n'est pas sur ball joint, donc il ne peut pas vraiment regarder, enfin ça c'est juste du jeu dans l'articulation je pense, il ne peut pas regarder en haut ou en bas, ce qui est un petit peu gênant étant donné que tous les Transformers sont plus petits que lui, à part les Citybots. On descend ensuite un peu vers le torse, où là aussi on a quelques détails qui sont très sympathiques, avec du coup des détails d'ingénierie à l'intérieur sous une plaque transparente, qui est très sympathique, avec du coup l'énorme logo Autobot. Au niveau des bras, on a donc des épaules qui sont bêtement jaunes, il n'y a aucune peinture sur les pièces nouvelles qui ont été révélées. J'aime beaucoup l'intégration de la fusée, qui se fait quasiment sans qu'on voit la fusée en fait, c'est quelque chose que je trouve vraiment très sympathique. Et du coup, au niveau des articulations de ce bras-là, enfin des bras du coup, parce que j'ai déjà présenté l'articulation de cette main-là, mais j'en parlerai juste après. Énorme ratchet au niveau de l'épaule, donc qui peut faire un 360 degrés. On a un ratchet vers l'extérieur, qui peut donc pas monter plus que pour faire la T-pose. Ça tourne à cet endroit-là. Ensuite, on a un coude sur ratchet, qui peut plier à 90 degrés, ce qui est vraiment bien. Et du coup, ben, rien au niveau de la main, mais en même temps, c'est juste un canon. Et justement, pour parler de cette main-là, on a donc la rotation, comme on avait en mode fusée, plus les doigts indépendants, avec donc les deux articulations à chaque fois. Comme ça, ce qui peut faire des trucs sympas. Après, j'avoue que pour poser une main avec seulement trois doigts qui sont comment répartis équitablement autour d'un cercle, c'est pas toujours évident. Voilà, donc au niveau des détails ici, c'est toujours pareil. On regardera le dos une fois qu'on aura vu le reste, et on va pouvoir passer aux jambes. Donc au niveau des jambes, je trouve là aussi que les détails sont bien sympathiques. On a des sortes de flèches ici et là, on a des trucs, enfin beaucoup de détails, avec toujours l'argenté qu'on retrouve sur les deux côtés qui nous vient du mode base. Avec ici les deux pièces bêtement jaunes avec les quatre applications de peinture sur les pièces ici et l'application ici. On peut toujours ouvrir, mais ça sert pas à grand chose. Après, si vous avez envie de mettre un Micromaster qui se balade là-dedans, pourquoi pas. Voilà. Et du coup, les pieds, et au niveau des pieds, j'avais un truc à dire, je l'ai pas dit, c'est que la plante des pieds est sur deux couleurs différentes. On a du coup ce côté-là qui est sur cette couleur de plastique-là, et l'intérieur qui est sur la couleur ici, qui est donc plus clair. Je viens aussi de remarquer d'ailleurs qu'ici c'était plus clair et que c'était pas juste le dessous du pied. Ça peut être un petit peu gênant. Finalement, une fois en main, ça ne gêne pas du tout, mais c'est vrai que en photo, parfois, ça peut gêner
peut-être un peu. Au niveau des articulations, c'est là qu'on est, pareil, on est servi. Donc le bassin sur Ratchet. Voilà. Les hanches vers l'avant. Elles sont bloquées ici apparemment. C'est un petit peu dommage, j'aurais préféré qu'ils puissent s'asseoir complètement. Par contre, ça va jusque là en arrière. C'est très lourd. Ensuite, sur le côté, vous l'avez vu, on peut aller complètement vers l'extérieur. Ce qui est toujours sympathique. De toute façon, c'est pour la transformation du mode base. Ensuite, ça tourne ici aussi sur Ratchet. On a un genou qui plie à 90 degrés, pareil sur Ratchet. Vous voyez qu'on a des détails qui se révèlent. Mais c'est du Ratchet un petit peu plus mou. Enfin, l'écran semble moins marqué, ce qui est toujours sympathique. Et enfin, au niveau des pieds, ça peut s'incliner. Ce qui est absolument génial. Alors, on n'a que deux crans, hein, du coup, mais... Enfin, on a trois positions différentes. Mais c'est déjà génial d'avoir des pieds articulés sur un titan. C'est le premier qui, enfin, c'est le premier humanoïde qui fait ça, parce que du coup, Metroplex avait aussi des pieds articulés d'un côté vers l'autre. Mais voilà, franchement, avec un poids pareil, oser mettre des articulations à ce niveau-là, c'est vraiment bien et ça permet d'avoir une meilleure stabilité. On peut donc faire des poses vraiment géniales avec ce titan, qui d'ailleurs, même en contre-plongée, donne très bien. On peut donc maintenant parler du dos, et on a des détails ici rouges qui représentent des détails qu'on avait sur le jouet géant. Ici, on a juste les genoux qui sont exposés, mais c'est normal, hein, c'est pour l'ingénierie. On a les pièces jaunes ici pour les rampes qui sont pas forcément très jolies, hein, sérieusement j'aurais vraiment préféré qu'elles soient grises du coup. On a ici l'arrière avec une forme qui pourrait s'apparenter à un logo Decepticon, étonnamment. Vu le placement, ça ne dit pas forcément du bien sur cette faction. Ce qui est normal, après tout, c'est les méchants. Et donc, on a les deux pièces ici qui étaient des côtés de fusée et qui peuvent justement compléter le style astronaute, en quelque sorte, avec donc des sortes de bonbonnes d'oxygène. Ce que je trouve toujours sympathique. Et du coup, les ailes, comme ça, qui sont pleines des deux côtés et que je trouve vraiment très jolies. Je vais essayer de lui faire une pause et je pense qu'on va arrêter là. Voici donc une pose que j'ai réussi à faire en essayant de l'avoir entièrement dans le plan. Vous voyez que les articulations au niveau des pieds sont vraiment très utiles. Et donc avec ces petits effets de tir en plus, ça permet de donner une scène beaucoup plus vivante. Maintenant, je vais pouvoir parler du coup des effets de tir dans mes reviews et j'en suis assez content en plus. Voilà, c'est une grosse partie de Siege qui vient de se débloquer avec cet Omega Suprême. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur cet Omega, il est absolument magnifique, si vous ne l'avez pas encore, je vous le conseille. Après, c'est vrai qu'il est cher, il est plus de 150€, c'est très cher, je dois remercier beaucoup, beaucoup mes parents pour me l'avoir offert du coup pour Noël, je n'y croyais pas. Donc voilà, c'est un excellent Transformers, pas forcément très maniable, mais génial si vous vous intéressez à l'échelle, si vous aimez bien le personnage et si vous voulez un gros Transformers, parce que du coup le très mauvais point des autres titans, c'est qu'ils sont pas à l'échelle. Là, enfin, ils sont pas à l'échelle avec la gamme principale. Là, franchement, il est très bien. Enfin, une transformation relativement simple pour être faite rapidement. Un peu bruyante, mais en même temps, ça permet d'avoir des articulations très solides pour le mode robot. J'ai pas peur qu'il tombe. À part si je le mets en équilibre sur un pied, mais sinon là. Je peux le bouger autant qu'il veut, il tombera pas. Après, c'est vrai que là, pour le moment, j'ai des étagères derrière, mais pas devant. Très bien équilibré, j'ai oublié de le dire, mais du coup, il a des petits talons pour qu'il tienne mieux. Donc franchement, j'ai pas beaucoup de points négatifs à dire sur cet Omega Suprême. Peut-être qu'un petit peu plus de peinture aurait été mieux. C'est vrai que peut-être que les grosses pièces jaunes sur le côté, sur les côtés du torse, sans peinture, ça fait un petit peu cheap. Mais franchement, avec cette taille et ce poids aussi, surtout, ça fait... on peut difficilement passer à côté. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié Countdown, donc je vais le rajouter dessus. C'est mieux une fois Countdown posé sur l'épaule. Donc, j'espère que cette review vous a plu. Je ne sais pas du tout combien de temps elle a duré, mais à mon avis, ça a été vraiment très long. En tout cas, je suis très content d'avoir cet Omega Suprême. Foncez si vous hésitez à le prendre.
Et si vous n'hésitiez pas, essayez de considérer un petit peu plus l'achat, parce que franchement, je ne peux que le recommander. Après, c'est sûr que vous pouvez ne pas avoir la place pour le stocker. Mais même par terre, il se remarque bien. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous pensez aussi de cette figurine, tout simplement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne addition à la gamme Siege? Et est-ce que vous pensez aussi que le Scorponok Earthrise sera une bonne chose aussi? Personnellement, maintenant que j'ai un Titan, j'ai vraiment envie d'en avoir un deuxième pour les faire se battre tous les deux, même si j'ai un Devastator, pour aller contre cet Omega Suprême. La review de Devastator arrivera dans quelques mois. Donc, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aller voir les chaînes des vidéos se transformant à ce que je trouve juste après dans la vidéo ou juste en dessous en description. Ouais, ça fait bizarre de ne pas avoir ma main dans la lumière des caméras, enfin dans la lumière environnante. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouveautés en termes de sorties Transformers, pour tout ce que je peux avoir dans ma collection, même si parfois pendant les vacances je fais pas forcément beaucoup de mises à jour. Et tout simplement pour venir discuter parce qu'il y a des gens super sympas dessus. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve normalement dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.